Chers amis, bonjour. En ce vendredi 31 juillet, la liturgie nous propose d'ouvrir le livre du prophète Jérémie au chapitre 26. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il eut cette parole venant du Seigneur. « Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes, et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir! Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ?» Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Et à présent, découvrons ce titre de Luce Rose, « Tu es Seigneur, miséricorde ». Je
sur moi ton regard de pitié, ton regard de pitié. Tu m'as tendu la main, tu m'as tendu la main. Et tu m'as rattrapé, tu m'as rattrapé. Toi, miséricorde, toi, la miséricorde de Dieu, ce grand amour dans son cœur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et nous allons nous quitter par cette prière de Luce Rose. Tu m'as comblé. Chers amis, bonjour. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, en ce samedi 1er août, nous allons commencer cette émission spécialement samedi avec cette prière de Luce Rose. Mais tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Les yeux bleus comme l'azur. Les yeux verts comme les prés. Les yeux noisettes, couleur de quelques fruits. Les yeux noirs comme ceux de Maria. Tous les yeux se ferment pour te prier, Seigneur. Les grands yeux de la peur, les yeux malades des orphelins d'outre-mer et du Vietnam, les yeux effarés des prisonniers, des affamés, des fous, les yeux inachevés des aveugles, les yeux fiévreux des enfants noirs de l'Afrique et de Harlem. Mais prends en pitié aussi ces yeux qui t'oublient, Seigneur. Les yeux errants des délinquants, les yeux égarés des drogués, les yeux vides de l'agonie, les yeux vengeurs des agresseurs, les yeux perdus des matérialistes, des athées, même les yeux heureux des amoureux, ces yeux, Seigneur, qui n'ont plus le temps de te regarder. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir eu des yeux, me permettant de te voir et de voir le monde vivre, bien qu'il ne soit pas toujours beau entre les mains des hommes. Merci, Seigneur.